Oh putain! Vas-y, fais voir. Ça va, c'est rien ça. Tiens, mets ça autour. Ils sont où les autres? J'en sais rien, je me suis barré direct moi. Non mais attends, t'as vu ce qui se passe dehors? C'est génial! Ouais, je sais, j'ai vu. Putain, j'étais boulevard Saint-Germain là. Y'a un type qui m'a donné un cocktail Molotov dans la main. Il n'y avait plus qu'à l'allumer. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh ben, je me suis approché du quart de flic. Il était là, juste devant moi, en plein milieu de la chaussée. En car avec que des flics à l'intérieur. Là, je me suis dit, attends, j'ai la bouteille, j'ai fait rouler sous le plancher, et t'as 5 flics qui vont cramer. 5 flics qui vont brûler vif. Putain, je te jure, je sais pas ce qui m'a retenu, mais au dernier moment, j'ai fait demi-tour. J'ai pensé, attends, ouais, je peux pas tuer des gens quand même. Et j'ai laissé la bouteille dans le caniveau. Tiens, regarde, ça sent l'essence encore. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'endors? Putain, elles sont où mes clés? Attends, tu te fous de ma gueule là? Tu sors? Bah oui, je sors. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un pote qui vient de m'appeler, il est sur Paris. Tu veux que je fasse quoi? Bah, je sais pas, que tu me préviennes au moins. J'ai acheté une bouteille et des trucs à bouffer. Mais bon, on remet ça plus tard. Et puis voilà, c'est tout. C'est quoi le problème? C'est qui? Quoi? C'est qui? Je la connais? Non, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive là? De quoi tu me parles? Mais arrête, tu crois que je t'ai pas grillé? Mais grillé de quoi? Mais tu passes tout ton temps sur ton ordi! Il suffit de regarder l'historique, mais en fait, tu me prends pour une conne, c'est ça? Ah ouais, d'accord. Ok. Parce que toi, tu fouilles dans mes affaires et tu trouves ça normal? Moi, je t'ai jamais rien promis. Je t'ai annoncé la couleur dès le départ. J'ai 20 piges, oublie pas. Alors, me fais pas porter le chapeau, ok? Elles sont où, mes clés? Vas-y, donne-moi mes clés. Donne-moi mes clés, putain! Putain, je me suis tapé une italienne hier soir. Mmh, délice. Bon, t'arrêtes un peu avec ta bouche là. Mais quoi, c'est mes dents. Et puis t'es marrant, toi, t'as qu'à me payer le dentiste. Au fait, t'as fait combien la dernière fois? 2000. 2000 balles? Mais putain, ça marche ton truc. Et encore, t'as rien vu. Je t'explique, tu vas comprendre. Regarde, j'en ai déjà discuté avec des pros. Ouais. Pour démarrer, il faut entre 5 et 700 000. Maximum. 1 million. 1 million? Mais t'es sérieux là? Quoi, ça se trouve? Tu sais, quand tu veux, tu trouves. Regarde, j'ai tous les chiffres là. Ouais. D'abord, t'as les murs. Okay. La première boutique, tu la prends à crédit. Mm-hmm. Ok? Ensuite, t'as le stock. Plus le transport. Parce que la marchandise, ça se fait pas ici à Porte de Clignancourt. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On va se faire saigner sinon. Non, tu fais comme tout le monde. Tu vas à Taïwan, République Dominicaine ou je sais pas où, mais pas ici. Ouais. Ok? Alors regarde. Un container de 5000, ça te fait 25 000 $ hors taxe. Ouais. Et avec le dollar à 135, ça te fait ça. Ah, attends, merde. Je me suis gouré. 4 et 4, 8. Ouais, enfin, 1 million, c'est pas rien quand même. Tu veux que je te dise? L'essentiel, c'est de pas traîner. Parce qu'aujourd'hui, arriver à 25 balles, si t'as pas gagné, t'es bon pour la casse.